Et je passe mon tour. Et désolé pour le changement de... Je pensais que je pouvais avoir le nuage. Alors... J'étais plus en situation et l'autre il est immunisé. Je suis pas sur une case, va gueuler encore Antoine. Ouais, il est pas sur une case. Mettre ici. Voilà. Ah, je suis sur une case. Tu fais vachement bien Antoine. Ouais, super. Alors... Une... Deux... Trois... Il avance lentement. 4. Reste ici. Il frappe avec son énorme épée sur... sur Finn. Ouais, Finn, pourquoi tu cours devant? Pour te protéger. Ça touche. Tu reçois donc un énorme coup d'épée de la part de ce géant. Hein. Et là, tu te sens pas très bien, en fait, hein, depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Et Oswald, qui est invisible, je rappelle. Ouais, qui est toujours invisible. Voilà. Je vérifie un truc. Je n'arriverai pas à toucher. Donc je vais essayer de retarder le géant des runes en... Vous allez rire, je sais pas si ça vous fait rire, mais bon, moi ça me fait rire. J'invoque un ankylosaure céleste devant lui pour l'empêcher de s'approcher de nous. Présenté comme ça, ça fait... Ça le retardera quelques secondes. Ah, est-ce que ça va pas écraser les douanes et puis Finn en même temps C'est une invocation de monstre 5. 5, 5, 5, 5. C'est gros que ça alors. Je peux pas leur... non, ouais, mais bon... En fait, j'ai pas choisi un monstre qui tape fort, vu que de toute façon il touchera pas. J'ai plus d'invocation suffisamment forte. Et ça s'appelle un ankylosaure, c'est ça? Ankylosaure, convocation dans mon module. Il est ankylosé donc. Alors, je te le mets dans Combat Tracker et je le fais apparaître. Moi je rajouterai le céleste et. Alors, je le passe en. Et je le ferai agir même s'il va rater, mais c'est pas grave. Ok. Alors, ça ressemble à... Ah oui, ça ressemble à... Ah oui, c'est un dinosaure. Hein. Mais il est tout petit, quoi. Ah bah non, il... Ah non, il est grand, mais... C'est l'autre qui est énorme. Et Udge, c'est quand même... Et... C'est quand même gros, quoi, normalement. Et il attaque de suite quand il arrive, quand tu le convoques. Il, en fait, oui, c'est parce que c'est, le token est comme ça, mais normalement, il est aussi gros que le géant, là, tu vois. Le géant des tempêtes. Des nuages. Mmh. Des nuages, pardon. Initiative, voilà. Et donc, bah, il met un coup de queue quand il arrive. Ouf. Oh, il met un coup de queue. Et ça loupe. Mais c'est pas grave. Il va s'amuser avec, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est pour occuper le. C'est le principal. Ça a bien marché jusqu'à présent. C'est à Yavin, on est au deuxième rang. Je préférerais que les guerriers se concentrent sur un des géants déjà, ça serait bien. Ok, 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 ok. Yavin. Ouais. Est-ce que je la vois là? Encore. Je me déplace. Je me déplace là, pardon. Et on va lui faire un rayon ardent. Ça ne veut rien. Ah, si, feu. Ouais, ok, apparemment, la magie a l'air de sensiblement passer. Oh ah, ça touche. Petit con, ouais, là. C'est du feu. Et c'est du feu, et le feu... Je te déconseille l'électricité. Ça brûle. Oui, oui, tout à fait. Ça brûle. L'électricité avec les trois, là. Enfin, les deux. Les deux types, ça marche pas. Ouais. Ah, attends. Et je passe mon tour. J'aurais peut-être dû jeter le feu, alors. Je pense qu'il va y avoir des problèmes. Chalélu va se faire une incinération. Déplacer. Ah, c'est pas déplacé. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Décaler là. Et je vais tirer une flèche. Ah, mais j'ai rapidité. Donc je vais tirer deux flèches sur la créature. Voilà, hop. Ça loupe. C'est au géant des runes. Bon, alors on va faire son... Vous avez vu que le premier géant des runes que vous avez affronté avait quelques capacités, quelques pouvoirs spécifiques. Et il va donc, avec son action libre, utiliser donc une de ses runes. Donc vous voyez une de ses runes qui est incrustée dans son corps, qui commence à luire assez intensément, et toutes les personnes qui sont dans un rayon de 3 mètres autour de lui vont devoir me faire un petit jet de vigueur. Il n'y a personne autour de lui. À part l'ankylosaur. Donc l'ankylosaur, il va me faire un jet de vigueur à DD 24 pour pas être aveuglé. Vigueur, tu m'as dit. DD24. Ouais, vigueur DD24. Ah, eh bien, il est blinded ou aveuglé pendant un round. Donc, c'est la magie là-dessus. Non. Eh ben, il est aveuglé. Hein. C'est surnaturel. Problème. C'est même extraordinaire. Du coup, faut que je trouve Blinded. Blinded. Bah, il est là. Donc, il est aveuglé pendant un round. Et deuxième effet qui se coule. Ça, c'est une action libre. Par une action simple, je peux faire pleuvoir une pluie d'étincelles. Vous vous souvenez? Et alors, c'est un cône de 9 mètres. Donc, un cône de 9 mètres, ça fait. Excusez-moi. Ça fait 6 cases. C'est ça ? Mets un blind sur l'ankylosaur. Ouais, je l'ai mis. Ou alors, je l'ai mis sur. Si, je l'ai mis. C'est un cône. Et il fait. 6 cases. Enfin, orienter comme ça, c'est bon. Ça... Ah, mais je crois qu'il va pas l'orienter comme ça. Et il veut pas toucher sa copine. Donc il va être emmerdé. Tu crois? Quand il aura réglé son cadran. Ça fait 6 cases, hein. On est d'accord? Je me suis pas planté. Je vois plus, là. Ouais, mais t'es pas obligé de leur... Le prendre au milieu, ouais, c'est ça. Ah si, ça part de lui, hein, ça part de son corps. Ça part de son corps, donc ça parle de la rune, d'accord. Donc je considère que d'accord, c'est le centre de... Si... Mais t'es pas obligé de toucher ta partenaire. Ouais, mais tu... Je crois que tu peux toucher tout le monde, hein. Je crois que tu peux pas le mettre à l'angle de... Ah, au début, oui, en fait, oui, au bout du... Au bout de sa zone de contrôle, je crois. Ah, attends, sans vouloir nous achever. Je suis pas sûr, mais... Donc, il était où? Il était là. Je peux pas... comme j'ai pas de calque... Ouais. Ouais, effectivement. Si je rajoute là, voilà. Il y aura Vilmar qui sera pas touché, mais c'est tout. Ouais. Eh bien... Ouais, et après, bien sûr. Alors, elle aussi, elle est prise dedans, Donc, du coup, vous allez me faire... Pour ceux qui sont dans la... C'est pas scripté, hein, donc... Pas pourquoi tu t'obliges à la prendre dedans. Parce qu'il en a rien à foutre. D'accord, ok. Du coup, vous allez me faire des jets de réflexe. Ah, ça part vraiment du centre, sur les créatures. En fait, ça part dans l'angle de la case quand la créature est moyenne ou petite. Sur les créatures larges et plus grandes, ça part du centre de la créature. Ah bah, donc il y a que Finn qui est touché, okay. Donc il y a que Finn, ouais.
Il y a que Finn qui est touché avec l'enfant. Je l'ai en anglais, mais. Ouais. Alors. Si vous voulez, ouais. Je l'ai pas trouvé en français, mais. Restauration, résurrection. Alors, Finn, tu vas me faire un jet de réflexe à DD 29, s'il te plaît, pour prendre que la moitié des dégâts. Si t'as souplesse du serpent ou des conneries dans ce style. T'inquiète, j'ai résurrection. T'as un nouveau niveau, hein. J'ai résurrection suprême. Oh là, super. Ok. Alors, je rappelle donc que ça fait des dégâts de feu et d'électricité en même temps. Oui, parce qu'ensuite, ça, effectivement, il radie encore beaucoup plus. C'est ça. Donc je vais faire un jet pour elle, pour voir si elle subit bon, aussi. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. J'ai fait 28 et c'est 29. Donc c'est pas bon. Elle se prend aussi les dégâts. Alors du coup, bah, les dégâts, c'est pas compliqué. C'est 20 dés. 2, 6, les dégâts, c'est pas compliqué. C'est tu meurs. C'est ça. Oh, instantané. C'est 68, moitié-moitié. Phil est déjà pas. On va dire pas dans son meilleur état. Alors 85 moins. Bah 68. L'ankylosaure, il faut qu'il me fasse aussi un jet. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a réussi ou pas ? 22. J'ai pas vu. 22. Ah bah c'est loupé. Bah il prend 68 aussi. T'as pas vu le petit doigt qui. Bah on n'a pas les cams donc non. Les cams ne fonctionnent plus, donc... Les cams ne fonctionnent plus. Bah non, non, les cams ne fonctionnent plus avec, avec TeamSpeak, ça... Il y a l'appli qui... Qui chante. Ouais, aussi. Du coup, bah vous... C'est bon, vous avez déduit des... Moi aussi, je dois déduire. 68 sur la créature humaine. Déduit. Ah bah elle est morte. Déduit, pardon, il fallait que je déduise quelque chose. Oui, 68 points. 68, pardon. Il te reste plus rien. Bon, il faudrait que tu le fasses à l'ankylosaure, mais. Il te reste plus qu'une dizaine de points ou une vingtaine de points. Non, une vingtaine. Vous voyez que la géante des nuages a aussi été touchée. Pourquoi ça marche pas le script? Parce que c'est pas assez mal scripté. Ah bah non, il te reste que 17. Non, c'est pas scripté, Gaël, c'est pour ça. Je l'ai fait à la main. Oui, bon, entre une dizaine et une vingtaine. Hein, t'as le même nombre de points de vie que ton niveau, si c'est pas beau ça. Hein, c'est pour l'ankylosaure, tu vas faire les dégâts, mais il a un résist de 10, c'était considéré comme de l'électricité, non de l'allumé. C'est électricité et feu. Donc s'il a. Électricité, il a la résistance, ouais. Alors attends. De 10 non. Déjà. Non, mais t'inquiète quand même. Moitié électricité, moitié feu, c'est quoi ça? Ah oui, donc t'as pas pris en compte les. Bah, de toute façon, tu t'en fous, tu vois. N'essaye pas de t'en sortir vivant. Regarde. Du coup, faut que je regarde. Hein. Alors le poney et les selles, non ça protège pas... Donc, t'as pas pris en compte le plus 50 en CA. L'ankylosaure il prend 58 hein. Je me planque derrière le poney. J'enlève 10 hein. Ouais donc tu mets 48. Non, 58. 58 en tout, d'accord. Ouais, vas-y. Voilà. Aïe. On va y arriver. C'est bon Gaël pour toi ou pas? Bah c'est compté. Ok, c'est bon. Donc c'était... Là, c'est à moi. Vous voyez que malgré le fait qu'elle se prend en fait la pluie d'étincelles, elle continue. Elle jette quand même un regard vraiment, vraiment méchant envers le géant des runes, mais vous mais sentez que voilà, elle ne dit mot et mais elle consent. Et voilà, elle n'a pas le choix, d'autre choix que de frapper sur. Sur soit Finn, soit l'ankylosaure, ou soit Yavin. La résurrection crépite. Alors, priez pour qu'elle frappe sur l'ankylosaure. Donne les chiffres. C'est combien l'ankylosaure et combien Finn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En partant par l'ankylosaure. 1, 2 pour l'ankylosaure, 2, 3 pour... 3, 4 pour Finn, et 5, 6. Pour Yavin, 6, c'est sur Yavin. Yavin, tu te prends 3 attaques sur toi. Ah ouais, Yavin pouvait se faire... Ah oui. Bah oui. C'est dommage. Il y a un 20. Il y a un critique. Il faut qu'il me critique dessus, en plus. Ou que tu vois qu'elle ne te loupe pas. Mais vraiment... Non, je supporte pas les critiques, c'est vrai. Ah, vraiment, là, elle te loupe pas. Tu vois la Morningstar arriver, mais sur ta tête, en fait, hein. Je suis alors, tout petit, rien de tout. Ouais, il serait de bon ton d'arrêter de se
blessé oula, et en même temps. Hein. 73 le premier. Le premier et il y en a deux autres derrière. Hein. Si elle fait pas à peu près pareil, c'est bon, je tombe. Hein. Derrière, avec les deux. Hein. Et la troisième. Il y a Vin, essaye d'esquiver, mais bon. La Morningstar est bien trop grosse. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Non, mais heureusement que j'ai pris. Ouais. Ouais, ouais, bah, à la fois. Hein. Bah, ouais, mais si ça avait été fine. Fine, hein, moi je me casse. Bon, merci. La créature, enfin, le géant, la géante derrière balance un rocher. Sur moi, les enfants. Vous entendez. Qui va atterrir dans votre coin. Alors, je ne sais pas sur qui, j'ai le choix. Parce que vu qu'elle peut lancer. Alors, elle peut pas lancer sur Oswald, il est invisible. Chez l'élu, elle est trop loin. Et elle est dans le coin. Donc, vous voyez pas. Donc, ça va être entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, un dé de 6. Allez, hop. Bon, bah. Un dé de 6. Soit Yavin tombe. 6 sur Yavin. sur Felgor, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le dernier. Donc, c'est sur Felgor. Un rocher sur Felgor. Hop, là, on va voir si ça l'atteint. Ça loupe. Ça éclate au plein milieu de Felgor et Yavin, au milieu, brouh, ça explose. Elle bouge pas, elle reste là. Elle est douane à toi. Ouais. Bah tu vois que ton camarade a subi de fortes assauts contre lui et que il est bien blessé, Finn. Bah il fait chier. Je vais lui faire. Est-ce que je peux lui faire? Oui. Les derniers sacrements. Alors, les derniers sacrements. Hop là. Ah oui, tu lui fais une guérison suprême. Ouais, bah oui. Je peux. Elle a pas le choix, quoi. Pas trop, ouais. Avant qu'il meure. Puis je passe mon tour. Tu vas faire récupérer que la moitié de ses points de vie, là. Oui, oui, je sais. C'est toujours mieux que rien. Et c'est ta fine de jouer. Bon, j'ai mon healer aux fesses, hein. Je peux aller taper. Non, non, tu vas arrêter de taper et faire n'importe quoi. Bon. Bah si, non? Non. Allez, hop. Ah, je vais me mettre même plutôt. Attends. Alors là, tu prends deux attaques d'opportunité. Hein. C'est ça que j'étais en train de me dire. Personne n'en a pris pour l'instant. Non. Par contre, faut que je regarde quelque chose. Oui, moi aussi. Permettez une. Ah non, c'est bon. Faut pas déconner. En train de me poser la question là parce que j'ai des zones qui se chevauchent. Donc Finn est dans la zone du géant des nuages et du géant des runes. Donc s'il se déplace, il se prend pas d'attaque d'opportunité puisqu'il est déjà dedans. C'est quand tu sors de la zone. On est bien d'accord. C'est pour la cinquième édition. Ça, c'est pour la cinquième, pas pour merde. Ouais. Ah bah là tu t'en prends deux alors. Tu te prends donc deux attaques d'opportunité, une de sa part et une de la part du géant des runes. Et la souplesse du perso, elle est prise comment? Faut que tu me l'indiques, parce qu'elle est pas... Non, faut que tu me dises que ta souplesse du serpent, à ce moment-là... Bah oui, bah je le sais pas, moi je connais pas ta feuille de personnage, donc j'ai malus de moins 4, c'est ça pour frapper. Hein. Ouais. Donc, attaque d'opportunité, moins 4, je vais essayer de te frapper avec ma Morningstar. Sur un coup. Ça touche. Tu t'en prends une de la part du géant des nuages
Et du... J'ai moins 4 aussi, là. Vous reconnaissez que je me sacrifie pour vous, là, quand même. Et... Non ? Non ? Ouais. Oui, enfin, évite de te sacrifier, hein, c'est pas la peine. Te le demande pas, pardon. Un coup d'épée sur toi. Ça touche. Suspense. Et vas-y, c'est à toi. Ah, mais j'ai fait qu'un j'ai fait un déplacement, donc je peux porter qu'une attaque. Oui, tout à fait. Bon, je vais quand même faire une attaque en puissance. Hein. J'avoue que c'est chaud quand même là. On n'a pas rapidité ? Ah si ? Oui. Oui, mais ça change rien. Oh, ça touche. Plus 40. Voilà. Donc je fais les dégâts. Elle est bien blessée. Elle est toujours là. Ben voilà. C'est fait. T'as vu le marre. T'as plus d'attaque de... Enfin, j'espère. Et bah, j'avance. Attaque d'opportunité, non ? Non, non, non. Pas d'attaque d'opportunité. Mais foncez sur les runes, moi. Je peux lui en mettre un vite fait, si tu veux, hein, dans sa fiche. Hein, Bon, c'est bon. Attaque réflexe. Attends, qu'est-ce que j'ai comme effet, moi ? Vu la dex qu'ils ont, en plus. Attaque en puissance. Je touche. Bah, c'est bien. Parfait. Oh, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Bon, bah voilà. Je crois que je peux les... Ok. On va falloir se déplacer. Je vais taper. Avec un à la fois. Pirate. Amis. La rapidité fait pas une autre, attaque. Sacha, elle est lue. Chalilu va faire un pas de placement, elle va se mettre ici, elle va frapper, elle va tirer des flèches sur, sur la géante. Alors, plusieurs flèches et rapide. Ouais, elle lance des flèches électriques. Il y en a une qui touche. Donc, une flèche bien placée dans l'œil droit. Chalilu fait tomber donc la géante. Je suis contente d'avoir Chalilu, ça. Pour une fois. Et elle tire une en difficulté. Elle tire une flèche sur le géant. Parce que là, je suis à distance. Ouais, je suis à distance. Et ça loupe. Tu veux dire qu'elle n'est plus intéressée par l'humain ? Alors, je vais la faire disparaître. Enfin. Intéressée par l'argent. Et Stauswald. Ah oui, et donc là, elle voit l'héritage de Fine. Oh là là, j'ai plus d'oreilles. J'ai plus rien, les gars, désolé. Firebolt. Firebolt. Ça faisait rien, Firebolt. Oui, à lui, oui. À lui, ça faisait rien. Ah oui, oui. Le feu, l'électricité, tout ça, la glace. Par contre, oui, ça donne... c'est les géants de... On avait rien fait, bon, c'est pas grave. Ouais, tu savais, donc... Ouais, mais oui, il y a aucun sort qui marche sur lui. Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux la faire sur la géante ? Elle est morte. Non, mais celle qui est derrière. Pas fou, oui, puisque j'ai la distance. Ah oui, t'as la distance, là. Tu peux la faire centrer sur elle. Ça va loin, donc. Ouais. Bon, mais j'ai fait son jet de protec. Et c'est succès. Un succès. Elle réussit, donc on va prendre la moitié, normalement, si c'est bien scripté. Logiquement. Ça devrait être marqué Alf. Ça, c'est quoi la distance derrière elle, donc ? Célèbre. C'est bien fait. Alf, voilà. Alf. Ah. Alf a fait son office, c'est bon. Et il faut que je fasse taper l'autre, mais ça sert à rien, mais...